observer la faune et la flore de ça. Hein. Ce qu'il disait bien, c'est que c'est qu'ils ont découvert une araignée, et cette araignée-là se nourrit. Elle se nourrit des insectes qui vont se nourrir dans ces zones-là. Et alors, ils sont que ces phénomènes ici, à dériver sur la faune, ici des bisons ou ailleurs, parce qu'à cause de la température, ça permet à la végétation de mieux se développer. Ça ne rend pas du tout la même chose. Ça veut dire que les cours d'eau...